Bonjour à tous les amis, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, on étouffe, c'est la folie, c'est Valmore 333 et on se retrouve non pas pour cette mission, d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai commencé cette campagne, je vais retourner dans le menu, mais pour les DLC de Ravenstrike. Enfin pour le DLC Ravenstrike et les missions de ce DLC là. C'est des missions qui se passent juste avant la dernière mission que j'ai tournée. Ou juste après, je sais plus. Je crois que c'est juste avant. Mais en tout cas, ça se passe avant la dernière mission. Puisque la dernière, je la garde pour la fin de la fin. De la fin de la fin. Chers amis, alors j'ai toujours mon petit papier avec les armes que j'ai utilisées au fur et à mesure de la... de la campagne, comme ça je ne peux pas j'évite de réutiliser des armes déjà utilisées. La Russie est au bord du gouffre. On nous signale qu'un groupe d'ultranationalistes russes qui se fait appeler Druzina de Ravensrock a fomenté un coup d'état contre le président Volodin. Les troupes loyalistes résistent, mais elles sont dépourvues d'un commandement unifié. L'officier le plus décoré de l'armée russe, le général Yuri Koslov, revenait d'un sommet de la défense à Astana quand le coup d'état a éclaté. Ravensrock a fait abattre son avion au-dessus du Kazakhstan, à quelques kilomètres au sud de la frontière. Volodin a besoin de notre aide. C'est Koslov qui nous fera entrer. Nous vous envoyons au Kazakhstan pour l'exfiltrer avant Ravensrock. Vous ne disposerez que de votre dotation de base. Pas de camouflage optique, de drone, ni de capteur distant. Rejoignez le site du crash, trouvez Koslov et amenez-le au point d'extraction. Oh là, ça c'est des missions comme je les aime, les amis. Que du massacre, c'est tout, que du massacre. Alors, vous pouvez constater que cette fois, on ne gagne rien avec les missions de DLC. On ne gagne strictement rien du tout, et c'est tant mieux. C'est tant mieux, comme ça, je vais pas avoir à être obligé de me farcir les défis tactiques et les défis armes du DLC. Sauf pour les missions, évidemment, de la campagne standard. Alors, on me propose un PDR pour cette mission. Je vais aller voir dans les fusils d'assaut ou les mitrailleuses lourdes. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme mitrailleuse lourde pour l'instant? J'ai utilisé la M60 déjà. J'ai utilisé la Stoner 96 déjà. Le MSR. Où est le MSR? C'est pas un... TS, PSL, PSL, non. Je n'ai pas utilisé, chers amis, la Stoner 80... Combien? 96? Non, la... Pas la Stoner. Voilà, la MK48. Je ne la vois pas marquée sur mes... sur ma petite fiche. Ce qui signifie que je l'ai probablement jamais utilisée. C'est ce que je vais utiliser sur cette... pour cette mission. J'avais envie d'une mitrailleuse lourde. Je vais garder la petite visée optique Rikiki. Avec... Oh, des balles incendiaires, ça pourrait être sympa. Mais nous, on va prendre des balles perforantes. Emprunt de gaz, sous-gazage. Elle est déjà plutôt bien équipée. Canon standard. Un cache-flamme. Plutôt le compensateur. Je pense que ça sera parfait. Ça sera parfait avec un compensateur. Ensuite, En deuxième arme, Nous allons prendre un pistolet. Que de préférence je n'ai jamais utilisé. Bon bah pas un pistolet alors. On va prendre plutôt un pistolet mitrailleur. Est-ce que j'ai déjà utilisé le scorpion? Oui, j'ai déjà utilisé le scorpion. On va essayer de trouver une arme que je n'ai pas encore utilisée. Le MP7. Je m'en suis déjà servi aussi. Bon, bah on va aller voir dans les PD, dans les PDR ou PDW
Dans Battlefield 4, chers amis, moi je retiens surtout... Non, par les armes de poing, on l'a dit. Voilà, les PDR. Qu'est-ce que j'ai... Là, bah là, j'en ai pas utilisé des masts parmi ceux-là, mais... Le PDRC... Le PDRC, est-ce que je m'en suis déjà servi? Eh ben, va pour le PDRC, chers amis. On garde la petite lunette. On va le mettre en semi-auto 3 coups. Avec des chargeurs... chargeurs améliorés. Ça lui donne une drôle de tronche, un peu, quand même. On va laisser le chargeur standard. Et je vais lui mettre des balles perforantes. Non, ça va pas du tout. Ça fait complètement dégueulasse. On va rien mettre du tout. Sous-gazage. Laser de visée. Silencieux parce qu'il nous faut une arme à silencieux. Ah, il y a un deuxième... Mais il faut avoir fini la dernière mission pour l'avoir, donc c'est pas grave. Nous y voilà donc. Je vais juste modifier un truc sur la mitrailleuse. Elle a aussi un laser de visée, je vais lui changer. Je vais enlever le laser de visée, qui est pas très utile. Et je vais mettre le capteur cardiaque à la place. On va prendre... Bon bah j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre fumigène et frag. C'est parti chers amis, on a perdu assez de temps comme ça. C'est parti. 4h50. Ah, il y a encore les... C'est même pas encore le lever du soleil. La satellite indique que l'avion s'est crashé en 3 morceaux. Impossible d'en savoir plus. Vous allez devoir inspecter chaque site. Nos techniciens n'ont pas encore déterminé comment les Russes ont saboté vos systèmes au Daguestan. Alors, en attendant, vous utiliserez vos Crosscom en mode sans échec. Bien sûr, Overlord. Si ça marche comme Windows en mode sans échec, on l'est pas rendu, les amis. Allez, c'est parti. Ah, j'ai au moins la visée thermique et ça c'est cool. Parce que nous n'avons pas de camo sur cette mission, chers amis. Vous pourrez constater que mon perso ne se camoufle pas lorsque je m'accroupis. Véhicule sur la route. Les Russes envoient d'autres troupes. Super, plus on est de fous. Il y en a sûrement d'autres en chemin. Faut pas s'éterniser. Des soldats. Près de la route. On va prendre mon arme à silencieux. De désigner. Stand by. Je suis prêt à tirer. Tête à tête. Ça a fait tête à tête, chers Surcharge. Amis. Mobile. Tu vas te faire repérer, fais gaffe. Oh là, chers amis. On n'y voit rien avec ce brouillard. Passez plutôt en thermique. Je suis déjà en thermique. Chut. Plusieurs cibles. L'ennemi quadrille le site. Sans doute pour chercher des survivants. Essayez de les éviter. Il vaut mieux pas faire de bruit. J'en ai un autre visuel. Devant nous. J'ai pas envie de les éviter, moi. J'ai envie de les massacrer. Trois cibles. Cible 4 désignée. Un de plus. Il garde le secteur. Allez, va le chercher, le troisième. Sinon, je le prends au pire. Vite. Stand by. Alors, je l'ai plus. J'en ai repéré deux autres. À douceur. Reviens, tu vas te faire crier. Contact, c'est bon, c'est bon. Ah, y'en a un qui est pas ciblé, là. Deux autres en visuel. Juste à côté du camion. Je prends celui-là, moi. S'il y en a un deuxième à buter... Va choper le numéro 3, vite. Deux autres en visuel. Parfait. La hop là. Ok, je l'ai eu. Contact, mitrailleuse légère. Au moins, il faut tourner là. Oh, on est repéré, chers amis. On va les massacrer maintenant. Oh, le massacre.
Le bruit de cette MK48, chers amis. De ce camion, y'a qu'à massacrer le camion. Allez, avancez les mecs, avancez. Parfait. On les a massacrés, chers amis. Et j'ai presque failli bousiller le camion. On est au premier site de crash. Aucune trace du général. On passe au deuxième. Overlord reçu. Attention, nous détectons une recrudescence d'activité ennemie. Chaque cabane en vue. Ennemis multiples. Peut-être un PC. Abattez-les. Vite et discrètement. Discret. Je vois deux soldats. S'il y a du discret, je prends. À ton signal. J'attends ton signal. Je suis prêt. Cible éliminée. Mobile. Café, regarde vers toi. Un sniper. Assassine-moi ce mec là. Coordonne les tirs. Un de plus. Vas-y. À 9h. Merde. Je te la On les foutu. Il se déploie. Tant pis. On va les massacrer. Elle a un recul de gros porc par contre cette mitrailleuse. Hein. Ah putain, on se fait avoir de tous les côtés. Personne par là. Oh la vache, on se fait saquer, chers amis. Oh la vache, des snipers. Saquez-le. C'est bon, je l'ai eu. Il est pas mort, il est pas mort. Ils sont en mouvement. Plusieurs ennemis, 9h. Oh là là, ça chauffe les amis. Je l'ai abattu. Parfait. On est en vie. Zone nettoyée, on peut continuer. Il y a même des munitions. Overlord, Hunter, site numéro 2 nettoyé. Pas de survivants. Non. Hunter, Overlord, vous voyez les matériels de transmission? Répétez. Pour que Kostlov reste connecté au réseau de commandement russe, il devait y avoir un système de transmission dans l'avion. Ah, négatif. Aucune trace d'émetteur. Overlord reçu, rejoignez le troisième site. C'est très quoi bien. Cette histoire? J'en troisième site toi. Du Allez, crash, c'est parti. Passe au PDRC. Qui sait ce qu'il y a là-dedans? On va te faire perdre. Des petits osios. Attention, il regarde de ton côté. Ah mais vous m'avez pas vu les mecs, vous m'avez pas vu. Là-bas. En plein devant nous. Obligé, obligé. Ah mais on se fait détecter toutes les 5 minutes. Ah je massacre tout le monde.
tranquille, c'est vite dit. Enter Overland. L'émetteur doit être dans les décombres du troisième site. Récupérez la clé USB cryptée qu'il contient. Alors qu'est-ce qu'on fait, Clandest? Alors là, il y a beaucoup trop de monde. J'insiste sur le secret total de cette mission. Si les Russes doutent quelque chose, nous aurons des comptes à leur rendre. Sœur, bien sûr. Je vous recontacte en arrivant au troisième site. Deux ennemis. Stand by. J'en vois pas d'autres. On dirait un tireur en stand-by. C'est bon. Feu à volonté. En voilà un autre. On n'a pas été repéré. À côté de cette épave. Ça fait deux cibles. Deux cibles. J'en vois un troisième là. Trois. Trois devant. Trois devant. Je les vois pas, où est-ce qu'ils sont les trois? Ah oui putain, ils vont arriver vers les cadavres. Non, ils vont les voir. Vite. On va cibler celui-là. Cible 3 désignée. S'ils voient les cadavres, on est foutu. Paré à tirer. Ah oh putain, on a été repéré. Je me déplace. Oh là 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 là, le recul de gros porc. C'est bon. J'aurais peut-être dû prendre plutôt une... Cible abattue. En empreinte de gaz, plutôt le compensateur pour compenser son recul parce que... Mobile, vers position. Pour l'instant ça se passe bien, même si l'eau elle est mal faite texturement parlant. Mort ou pas mort? Mort. C'était le dernier. C'est dégagé. Bon, ça s'est bien passé. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Les Russes ont dû les emporter. Oula! On massacre! Je bousille le camion! Parce que je ne respecte rien du tout! Ouah la vache! J'avance! À gauche, attention! Prêtez-vous! Vite, massacrez-le lui, ne le laissez pas courir comme ça! Lui c'est réglé! Aussi. Oh là 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 là! Overlord, Hunter. On est au site numéro 3. Il y avait bien un émetteur. Bien joué, Hunter. Prenez la clé et détruisez le reste. On va se ravitailler un petit peu. Kozak, à toi.